Bonjour mesdames, messieurs. Bienvenue à toutes et à tous au Forum del Mujahed. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin parmi nous l'avocate et présidente du parti de l'UPS, Madame Zoubida Assoul, l'UCP, Madame Zoubida Assoul. Madame Assoul, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue. On va accorder un moment à Madame Assoul pour nous présenter une petite introduction et on abordera après le débat. Madame Assoul, à vous la parole. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier le Forum de Mujahed de me donner aujourd'hui l'opportunité de m'exprimer en tant que présidente d'un parti politique de l'opposition, l'UCP, l'Union pour le changement et le progrès, mais aussi en tant que juriste et activiste de la scène nationale sur tout ce que vit notre pays, notamment depuis la démission et le départ de l'ancien président de la République. Je crois que l'Algérie vit un moment exceptionnel dans sa vie politique et sociale. Pourquoi ? Parce que l'Algérie, depuis le 22 février, vit une révolution pacifique inédite que le monde entier regarde avec beaucoup d'intérêt, parce que l'Algérie, enfin, est en train d'exporter une autre image que l'image qu'on a toujours exportée de l'Algérie, c'est-à-dire un pays où il y a eu beaucoup de problèmes de terrorisme, d'extrémisme, un pays quand même qui n'arrive pas à émerger économiquement, mais aussi un pays qui est en train de régresser sur beaucoup de plans, notamment sur le rôle de la société civile et la démocratie et les libertés. Cette belle image que nous exportons aujourd'hui est une image d'un peuple uni, d'abord, une image d'un peuple civilisé, une image d'un peuple qui, pour la première fois et depuis l'indépendance, sort pour réclamer et demander des changements politiques profonds, donc une rupture avec ce système qui n'a pas permis à l'Algérie l'émergence de la compétence et de la méritocratie, mais aussi un système qui n'a pas permis à l'Algérie de se hisser à la place qui lui revient de droit et qui est de devenir un pays puissance dans la région de par sa position géostratégique. Donc aujourd'hui, on le vit, nous sommes heureux, nous sommes fiers de cette révolution qui est en train de se faire avec les Algériens et les Algériennes sans exception, jeunes et moins jeunes, même les gens âgés. Et j'ai eu à rencontrer avec beaucoup de bonheur même des dames centenaires qui étaient sur leur fauteuil roulant et qui me disait, oui, on sort, pas pour nous, mais on sort pour la jeunesse, pour un meilleur avenir pour cette jeunesse. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que nous devons tous, classe politique, comme pouvoir en place, comme élite, mais aussi comme citoyen, parce qu'aujourd'hui, ce qui doit nous unir tous, de par nos différences idéologiques ou peut-être même politiques, tendances politiques, c'est la citoyenneté. Aujourd'hui, les Algériens ont prouvé qu'il y a un comportement citoyen pendant cette révolution, parce que les Algériens, une fois qu'ils terminent leur marche pacifique à travers tout le territoire, ils nettoient, ils montrent un beau visage d'Algériens qui sont conscients des enjeux, mais qui ont une maturité politique, mais aussi qui veulent donner l'image que le peuple algérien est un peuple civilisé, est un peuple qui connaît, qui est conscient des enjeux. Et donc c'est ça, cette belle image que nous devons aujourd'hui, dont nous devons être tous fiers. Maintenant, bien sûr, au-delà de cette révolution qui a été un tournant, et qui est un tournant décisif dans le devenir ou pour le devenir de l'Algérie future. Et il va falloir vraiment qu'on aille de l'avant pour aller comment faire pour réaliser les objectifs de cette révolution. Les objectifs de cette révolution, les Algériens et les Algériennes ont revendiqué justement un pays, un État de droit,
un état des libertés, mais aussi un état qui permet le progrès, qui permet le développement à tous les Algériens dans toutes les régions du pays. Là où il y a un seul Algérien, on doit, en tant que société, nous occuper de tous les Algériens sans exclusif. Pour faire cela, bien sûr, c'est une chose qui n'est pas aisée, bien évidemment, puisque nous avons un pouvoir quand même qui est assez jusqu'au boutiste. Il n'a jamais voulu écouter l'opposition. Nous, ça fait des années depuis la création de notre parti en 2012 et son agrément depuis le 19 mars 2013. Nous n'avons pas cessé de proposer, de faire des propositions de sortie de crise. Nous n'avons pas cessé de faire des propositions de bonne gouvernance, parce qu'aujourd'hui, il s'agit aussi de la mauvaise gouvernance que vit le pays. Nous n'avons pas cessé justement d'appeler le pouvoir à revoir sa copie et d'intégrer tous les Algériens, à commencer par l'opposition qui a présenté quand même à travers plusieurs années plusieurs alternatives politiques. La dernière en date, j'ai été le porte-parole du mouvement Mouattana, qui est la citoyenneté. Nous avons créé cet espace pour pouvoir permettre à tous les Algériens d'exercer leur citoyenneté, de militer pour changer ce système, pour proposer une autre alternative politique. Cette alternative politique qui consiste à dire on ne peut plus continuer avec le même système qui est basé sur l'opacité, sur la non-transparence, sur l'exclusion, sur la marginalisation des compétences algériennes, mais aussi un système qui est dans une vision qui ne correspond pas du tout aux attentes des Algériens, mais au siècle aussi que nous vivons. Aujourd'hui, le monde entier parle de critères de bonne gouvernance qui sont basés sur la transparence, mais aussi sur la responsabilité. C'est-à-dire que quand on a des responsables politiques, ils doivent répondre devant le peuple sur leurs choix, à la fois politique, économique et sociale. Et cet exercice de la transparence, malheureusement, on n'est pas encore arrivé, même si nous avons des institutions, mais même les institutions elles-mêmes ne sont pas suffisamment libres et indépendantes pour exercer leur mission. Et ça, on le voit dans tous les domaines, y compris dans le domaine des médias. Nous savons que beaucoup de journalistes aimeraient exercer leur métier en toute liberté et en toute responsabilité, mais malheureusement, c'est toujours le politique qui intervient pour empêcher ces Algériens de faire leur métier convenablement. Donc aujourd'hui, effectivement, le pouvoir nous propose d'aller vers des élections présidentielles le 4 juillet. Comme vous le savez, il y a eu une tentative d'une conférence qui a été appelée par le président de l'État, M. Abdelkader Ben Salah, depuis qu'il est à la tête de l'État, en application de l'article 102 de la Constitution, depuis le 9 avril passé. Malheureusement, ça a été une débâcle parce que, y compris les partis du pouvoir n'ont pas accepté, n'étaient pas très présents, mais le peu de gens qui étaient présents sont arrivés, comme nous d'ailleurs, l'opposition, c'est de dire on ne peut pas organiser des élections présidentielles le 4 juillet. Ça, c'est la conclusion à laquelle sont arrivés la majorité des personnes présentes pendant cette conférence. Qu'est-ce qui nous reste? Donc aujourd'hui, nous avons un peuple qui a fait un référendum en direct, dans la rue. En plus, un référendum qui n'a pas coûté un centime au trésor public. C'est un référendum direct. Le peuple algérien, on peut dire que le corps électoral est composé de 24 millions d'Algériens et d'Algériennes. Les 24 millions étaient dehors, dans la rue, pour dire on ne veut pas d'élection, on veut le départ des visages du système qui sont là, qui sont responsables de la réalité que nous vivons aujourd'hui, qui sont comptables de leur gestion au moins pendant les 20 dernières années, et qu'on ne peut pas faire du nouveau avec les mêmes personnes qui ont été quand même la cause de l'échec total, l'échec, l'impasse politique, l'échec économique et la régression sociale, et aussi beaucoup de régression sur le plan des libertés. Donc aujourd'hui, nous dans l'opposition, souvent les gens font beaucoup de reproches à l'opposition, mais l'opposition, comme vous le savez, elle est plurielle d'abord. Il faudrait qu'on reconnaisse que l'opposition en Algérie est plurielle, et tant mieux,
parce qu'on ne va pas se plaindre parce qu'il y a plusieurs oppositions, parce que plus l'opposition est plurielle, plus on donne de choix aux citoyens et citoyennes de choisir le projet qui correspond le mieux à leurs attentes. On ne va pas faire de l'opposition aussi le parti unique, donc plus elle est plurielle, tant mieux. Mais il y a une chose qui est très intéressante aujourd'hui à observer, c'est quand même il y a des demandes communes à toute l'opposition. Toute l'opposition, on va dire globalement, aujourd'hui est convaincue qu'on ne peut pas aller vers des élections transparentes, des élections représentatives, des élections honnêtes qui vont vraiment montrer le choix du peuple dans la situation actuelle des choses. Parce que le peuple refuse lui-même le processus électoral avec les mêmes causes qui vont produire les mêmes effets. C'est-à-dire, vous avez la même loi électorale qui a été faite par la même, disons, majorité qui était là, qui est représentée à l'Assemblée, mais aussi dans le gouvernement. Vous ne pouvez pas aller aux élections transparentes avec la même administration qui, quand même, n'est pas impartiale. Elle est partiale, et ça, ce n'est pas que l'opposition qui le dit, c'est même les partis du pouvoir qui le disent et qui le reconnaissent, puisque les partis, même de la coalition, de temps en temps, s'envoient des griefs les uns envers les autres, que tel ou tel parti a traficoté au profit ou contre tel ou tel parti. Ensuite, il y a un troisième élément qui est l'argent sale. On sait très bien que les dernières années, l'argent sale a fait son émergence dans la pratique politique, dans les élections, donc ce qui nous a amené à dire qu'aujourd'hui, il y a les gens qui ont de l'argent peuvent devenir députés, peuvent devenir sénateurs, peuvent devenir maires, etc. Et ça, c'est une dérive dangereuse parce qu'elle ne permet pas vraiment à la société, à la démocratie participative du citoyen qui peut avoir de très bonnes idées mais qui n'a pas d'argent pour arriver. Et ça aussi, c'est une responsabilité d'un certain nombre de partis politiques qui ont permis, qui ont utilisé ce moyen dans les élections. Et ça, c'est une dérive qui n'est pas très, 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 très bonne pour le pays, pour la démocratie, mais aussi pour la pratique politique saine. C'est pourquoi beaucoup de partis politiques, j'en fais partie, nous avons proposé qu'il y ait une période de transition qui va permettre l'assainissement de la situation. D'abord, assainir, ça veut dire déverrouiller un peu le système en place, et ça en allant vers revoir un peu la loi électorale, revoir beaucoup de dispositions de la Constitution qui est pleine de verrous, pleine actuellement, on n'arrive même pas à faire appliquer la Constitution parce qu'elle est verrouillée partout. Et moi personnellement, je l'ai dit le jour où on a participé à la concertation sur l'amendement de la Constitution, on avait même proposé un projet de Constitution qui mettrait l'Algérie sur la voie de la séparation, l'équilibre des pouvoirs, l'indépendance de la justice, qui est une pièce maîtresse dans la pratique démocratique, mais aussi pour la protection des libertés et des droits des citoyens, mais aussi de leurs biens. Mais malheureusement, le pouvoir n'a pas écouté, ce qui fait que cette Constitution que nous avons aujourd'hui entre les mains, notamment après les amendements de 2016, c'est presque une mercuriale où il y a un peu de tout, il y a beaucoup de verrous, il y a un seul pouvoir et unique, c'est le pouvoir du président de la République, et ça en soi-même est devenu une impasse politique parce qu'on ne peut pas parler de démocratie quand on a une concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un seul homme ou d'une personne, quelle qu'elle soit, que ce soit l'ancien président ou un autre. Vous donnez la même constitution à quelqu'un d'autre, de par la Constitution, il va être un totalitaire. C'est clair, il ne va pas être un démocrate parce que tous les pouvoirs sont concentrés entre ses mains. Donc voilà le problème qui se pose aujourd'hui. Pour nous, il va falloir d'abord assainir toute cette situation, il va falloir aller vers un dialogue sérieux. Parce qu'aujourd'hui, avec la sortie du peuple, la révolution pacifique où nous avons vu, et nous vivons encore après 10 semaines de révolution pacifique qui s'étend dans tout le territoire national, mais aussi dans beaucoup de capitales étrangères où les Algériens sont totalement engagés, et de dire on veut la rupture avec ce système.
On ne peut pas, à une situation exceptionnelle, parler d'appliquer la Constitution ou certaines dispositions constitutionnelles. À une situation exceptionnelle, il va falloir trouver des solutions exceptionnelles. Et les solutions exceptionnelles ne peuvent émaner que du dialogue, le dialogue sérieux. Et là, on a besoin que le pouvoir nous montre quand même quelques signes de bonne volonté pour aller vers ce dialogue-là qui permettra aux Algériens de définir une feuille de route de cette transition qui va définir à la fois les objectifs de la transition, les mécanismes de la transition, mais aussi le délai ou la période de cette transition. Et à partir de là, le peuple est en train de s'organiser et c'est une très bonne chose. Parce que depuis fort longtemps, les Algériens ont complètement divorcé avec la politique, la pratique politique. Les Algériens, on les a empêchés d'utiliser les espaces publics, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, la révolution commence à libérer un peu tout le monde. Elle a libéré les magistrats, elle a libéré beaucoup de médias, y compris le média qui m'invite aimablement aujourd'hui, c'est une bonne chose, mais il va falloir justement aller vers vraiment une période où on va dialoguer sérieusement, où on va, en tant qu'Algérien, la société civile s'organise, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de propositions, on ne va pas arrêter ce processus, il faut le laisser s'installer dans la durée, dans le temps et dans l'espace, parce que c'est ça la citoyenneté, c'est que chaque Algérien et Algérienne doivent jouer un rôle et être un acteur de son devenir et être un acteur de la politique pour les prochaines années. Aujourd'hui, ce processus est en place. Les Algériens se sont réappropriés les espaces publics. Ils se sont réappropriés le débat politique. On ne peut pas quand même se plaindre de cela. Au contraire, c'est une très bonne initiative. Maintenant, il va falloir laisser le temps à la société de s'organiser. Et il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est vrai qu'on est tous pressés, quelque part, d'en finir, d'aller vers une période apaisée où les institutions, avoir un gouvernement de compétences nationales qui va s'occuper des vrais problèmes, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, notamment les problèmes économiques du pays. Et là, on a besoin d'un gouvernement de compétences, mais aussi, il faudrait que la société s'organise pour enfin aller dans une période, disons, acceptable, qu'on puisse aller vers vraiment des élections où le peuple algérien décide et choisit le projet de société qu'il a envie de mettre en place. Mais aujourd'hui, je pense que la jeunesse, surtout, nous a donné un très bel aperçu sur le choix de la société. C'est que l'ensemble des Algériens ont envie de construire un état de droit, un état des libertés, un état où les Algériens s'inscrivent dans la modernité et dans l'ouverture sur le monde. On ne peut pas vivre isolé du reste du monde, mais aussi des Algériens qui sont conscients que l'Algérie doit se construire avec l'ensemble des Algériens, sans exclusif, parce que notre diversité est un élément de richesse et pas le contraire. Aujourd'hui, l'Algérie est plurielle, elle est plurielle politiquement, elle est plurielle culturellement, elle est plurielle dans ses espaces, et c'est un élément de richesse, ce n'est point un élément de discorde ou de régression. Donc voilà un peu ce que nous proposons. Certainement que les feuilles de route vont être affinées au fil du jour et j'espère que le pouvoir politique en place va comprendre qu'on n'a pas d'autre choix que d'aller vers la concertation, le dialogue, pour enfin aller sereinement vers une période de transition qui va permettre à l'Algérie d'ouvrir une nouvelle page. La nouvelle page, c'est la nouvelle République qui sera basée sur l'état de droit et l'état des libertés et le développement durable pour tous les Algériens. Voilà. Merci Madame Assoul. Vous venez de dire, Madame Assoul, que la concertation et le dialogue sont impératifs pour trouver une solution. Mais il y a eu une invitation du pouvoir en place pour un dialogue et des concertations qui ont été rejetées par l'opposition. Avec qui allons-nous dialoguer si on rejette tout ce qui vient du pouvoir? Il y a ceux qui disent que la solution, que le pouvoir est une partie de la solution. Et ceux qui ne veulent pas de ce pouvoir, avec qui dialoguer aujourd'hui si on rejette l'initiative du pouvoir pour une concertation?
Merci beaucoup. C'est une question pertinente. En effet, bon, les Algériens qui sont sortis dans la rue, ils ont dit « Nahou ga ». Je pense que « ga hadi », on parle surtout des gens qui ont eu des responsabilités les 20 dernières années. On ne peut pas aussi être nihiliste, on ne va pas renvoyer le peuple algérien « ga ». Ou là, les cadres du pays guerre, ça n'a pas de sens. Je pense qu'il y a beaucoup de manipulation dans ce guerre. Il y a beaucoup de gens qui veulent un peu faire la contre-révolution pour dire que le peuple algérien, quand il parle de guerre, ça veut dire qu'on va effacer tout le monde. Mais avec qui alors on va construire le pays? Je pense que le mot guerre signifie, à mon sens, les gens qui ont eu des postes de responsabilité, qui sont comptables de la situation politique, économique et sociale les 20 dernières années, parce que c'est leur choix, c'est les choix qu'ils ont fait politique, économique et sociale. C'est pourquoi le peuple, quand il est sorti, il vous dit tout simplement, il nous dit à nous tous, on ne peut pas faire du changement avec les mêmes gens qui ont fait l'échec des politiques successives pendant les 20 dernières années. C'est pas possible. C'est-à-dire, ces gens-là, ils étaient partie prenante dans la décision, dans la pratique, dans l'exercice, dans l'application de cette vision. Aujourd'hui, on ne peut pas attendre que ces gens-là puissent ramener du changement. C'est-à-dire que les éléments qui ont constitué l'échec ne peuvent pas être une partie de la solution. Bon, c'est vrai que beaucoup de gens croient qu'au départ, que le départ de l'ancien président Bouteflika, c'est lui, quand il partirait, le système serait parti. C'est une grosse erreur. Le système, ça ne veut pas dire enlever uniquement les personnes. C'est vrai que certaines personnes doivent partir. Comme aujourd'hui, le peuple, il demande le départ de tous les B. Abdelkader Ben Salah, Bedoui et Bouchouareb à la tête de la PN. Pourquoi? Ça, il y a des raisons objectives que le peuple a très bien et parfaitement compris. Ça veut dire qu'un président de la PN qui est lui-même le fruit d'un putsch, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui a pris la présidence de la PN par le biais d'un putsch, en piétinant le règlement intérieur de la PN d'un ancien président qui est lui-même issu de la même majorité. C'est pourquoi les Algériens ne peuvent pas faire confiance. Deuxièmement, cette personne-là est arrivée lorsque des groupes parlementaires ont fermé le siège de l'APN avec les cadenas et avec des choses inadmissibles au XXIe siècle. On ne peut pas tolérer de telles pratiques qui dépassent l'entendement, qui ont fait de l'Algérie la risée du monde. Quand on ferme le siège de l'APN en plein jour par des députés qui sont censés respecter la loi, veiller au respect de la loi, ça c'est quelque chose d'inacceptable. C'est pour ça que le peuple n'a pas confiance en des gens comme ça. Un gars comme Bedoui, le Premier ministre, et il ne faut pas oublier que le Premier ministre a été le ministre de l'Intérieur quand même. Le ministre de l'Intérieur que la majorité elle-même accuse d'avoir trafiqué les élections. On est passé en 2017 par les élections législatives, par les élections des APC et des APW, et les mêmes partis du pouvoir eux-mêmes disent qu'il y a eu trafic dans les élections. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire confiance à quelqu'un qui a trafiqué les élections de l'accepter d'être le Premier ministre d'un gouvernement du changement. Là, ce sont des raisons objectives. C'est pour ça que le peuple, il les rejette. Parce qu'il y a un problème de confiance. La confiance a été rompue entre les citoyens algériens et les représentants, et les visages, les premiers visages de ces institutions. C'est ce que le peuple rejette. Maintenant, si le pouvoir, qu'est-ce qui reste dans tout ça? Monsieur Ben Salah aussi, il est là, il est même là dans le pouvoir avant même l'arrivée du président Bouteflika. Il a été président du CNT 94-97. Il était avant député du FLN. Bon, c'est quand même quelqu'un qui a plus de, on va dire, 35 ans dans le pouvoir. On ne peut pas imaginer que quelqu'un qui a sa matrice intellectuelle, c'est vraiment le système lui-même. On ne peut pas attendre de lui qu'il fasse des changements dans la pratique, dans l'approche philosophique de la pratique politique d'aujourd'hui, en adéquation avec les attentes du peuple. C'est pourquoi le peuple, il les rejette. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'institution militaire. D'accord. Bien sûr. L'institution militaire, nous, on fait la différence entre l'armée en tant qu'institution, mais
aussi le commandement de l'armée. C'est vrai qu'on ne peut pas oublier aujourd'hui que quand même le chef d'état-major Gaïd Salah a cautionné le quatrième mandat, en sachant que le président Bouteflika n'était pas apte à diriger le pays. On ne peut pas oublier que le même chef d'état-major a cautionné jusqu'à avant que les Algériens ne sortent dans la rue, il a cautionné le cinquième mandat. Il était partant pour le cinquième mandat. On ne peut pas aujourd'hui lui dire « Non, 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 vous êtes blanc comme neige ». Il a cautionné. Maintenant, il a une responsabilité. Il est là. C'est pourquoi nous, qu'est-ce que nous disons? Au lieu de perdre du temps à l'Algérie, à l'économie algérienne, parce que nos partenaires nous attendent avec beaucoup, beaucoup d'intérêt pour envoyer des signes de solution de la crise politique, parce que c'est une crise politique qui engendre bien sûr une crise économique et sociale, mais on attend de lui qu'il aille directement vers un débat et une concertation sérieuse, pas lui directement, mais l'institution militaire peut ouvrir un débat avec d'autres personnes et avec toute la classe politique sans exclusif. Et nous, on a demandé qu'il y ait des assises nationales. Pourquoi pas? Les Algériens sont en train de s'organiser parfaitement bien. On peut parfaitement organiser des assises nationales où assisterait toute la classe politique, tous les représentants de la société civile, des Algériens qui s'organisent à la suite de cette révolution, et ils sont en train de le faire convenablement. Ils rédigent même des plateformes et des propositions concrètes, et on va discuter et on va aller vers une période de transition. Mais cette période de transition, elle ne peut pas émaner d'un pouvoir vertical. Il va falloir aller vers une concertation horizontale, parce que le vertical, ça ne marche plus. Le peuple algérien est sorti pour dire « je ne suis pas là que le messier vienne me dicter des solutions ». Il faut que la solution émane d'un débat sérieux, échangé, et aller vers une feuille de route consensuelle, bien entendu. Le consensuel, c'est ça qu'il va falloir aller, surtout pendant cette période-là. Et c'est ce que nous demandons. Maintenant, bien sûr, beaucoup de gens vous disent, oui, mais comment... Est-ce qu'on peut arriver à ce consensus, justement? Oui, on peut. Parce que même au niveau de l'opposition, il y a ceux qui veulent aller vite, parce que plus on perd de temps, plus le danger est là. Il y a ceux qui veulent prendre leur temps pour gérer une transition un peu plus longue. Est-ce qu'on peut trouver le consensus ici? On peut. Écoutez, avec le dialogue... Tous les problèmes peuvent trouver des solutions, parce que la politique, c'est le compromis. Mais ce n'est pas la compromission. Il y a une différence entre le compromis et la compromission. Je pense que l'opposition est prête, il y a une maturité, même s'il y a différentes voies. Il y a des gens qui vous parlent de la constituante, absolument. Il y a des gens qui vous parlent de réviser l'essentiel, assainir, et aller. Il y a même des gens qui vous disent, pourquoi commencer par le président de la République? L'État se construit par le bas. Il va falloir commencer par les APC, les APW, monter les législatives pour avoir un parlement représentatif, ensuite élire un président. Bon, ce sont des propositions qui sont les unes les autres toutes discutables. Il n'y a pas de rejet, il ne faudrait pas qu'il y ait un rejet. Mais aussi, la constituante, il y a des gens qui sont favorables, il y a beaucoup de gens qui ne le sont pas. Parce que dans l'état actuel, il y a une relayenne. Oui. Vous savez, tu ne peux pas aborder trop de questions clivantes. Parce qu'il y a urgence. D'abord, il va falloir qu'on ait des dirigeants légitimes auxquels le peuple il croit. Des gens qui seront acceptés par le peuple. Ensuite, faire l'assainissement. Et le jour où on fera l'assainissement, on va pouvoir discuter du projet de société. Aller tout de suite vers un projet de société où on va avoir des clivages et on va rester 2 ans ou 4 ans. Il ne faut pas oublier, si on prend en exemple l'expérience de la Tunisie, ils sont restés quand même 4 ans, absolument, n'est-ce pas, pour élaborer une constitution. Et aujourd'hui, dans la pratique du pouvoir, ils trouvent aujourd'hui que ce modèle qu'ils ont choisi n'est pas le plus efficace, en tout cas économiquement. Ils ont beaucoup de difficultés, même sur le plan de la démocratie. Donc aujourd'hui, moi, j'aime pas la précipitation. Je préfère faire vite pour ne pas laisser cette situation perdurer dans le temps. Mais il y a un délai raisonnable qui peut varier entre une année et 18 mois, où on peut vraiment assainir l'essentiel pour aller vers une reprise de confiance des citoyens, où les citoyens sont engagés dans la pratique politique. Et à ce moment-là,
on discutera quand on aura des élections, un président élu, un président légitime, des institutions légitimes, c'est là où on va aller vers le projet de société. Donc ce sont des choix, mais tous les choix sont intéressants à discuter, mais il n'y a que le dialogue, vous voyez. Oui. Et quand on sera autour d'une table et que toutes les propositions seront là, eh bien, c'est la proposition qui obtiendra le maximum de voix, et c'est ça la démocratie, c'est celle-là qui passera. Mais on ne peut pas non plus dire, parce que l'opposition, il y a plusieurs avis, ça veut dire qu'on n'a pas de solution pour la crise. D'accord. Non, on doit aller, mais on doit aller vers un consensus qui réponde le maximum aux attentes des citoyens. On n'a pas le droit de les décevoir. On assiste actuellement à une... L'opposition œuvre actuellement à la tenue d'une conférence nationale. On n'a pas vu votre parti parmi les partis qui sont réunis pour cette initiative. Est-ce que vous y adhérez? Écoutez, la conférence nationale, il y a une initiative qui est en train de se faire. Nous, on est vraiment attentifs à tout ce qui se fait. On écoute toutes les propositions. On ne rejette pas par principe, parce que c'est ça la responsabilité politique. Tous les Algériens ont le droit de s'exprimer librement et de proposer. Maintenant, quelle est la faisabilité de cette conférence? Quelles sont les attentes? Quels sont les aboutissements? Oui. C'est ça qui fait l'objet de débats, d'affinements. On va affiner, on va regarder. Il va y avoir l'installation d'une commission pour examiner. Absolument. Est-ce que vous allez faire partie de cette commission? Moi, de toutes les manières, c'est une décision qui ne me revient pas en tant que chef de parti. Je réunirai certainement le Conseil national. D'accord. Qui lui tranchera, parce que nous sommes un parti démocratique et on ne peut pas décider, ce n'est pas le chef qui décide, c'est les militants. Très parce bien. Que l'UCP appartient à ses militants et on doit demander à nos militants quelle est la meilleure voie pour aller vers vraiment une solution de la crise rapidement et la plus efficace possible. Très bien, merci Madame Assoul. Je vous en prie. Oui, j'ouvre donc les débats. Oui Madame, allez-y. Le micro, s'il vous plaît. السلام عليكم هندة طوبال الإذاعة الجزائرية القناة الأولى الأول ليس السؤال بل طلب من السيدة عسول أنه تختصر لنا فقط جزء من المداخلة باللغة العربية لأنه القناة باللغة العربية هو نركز على رفضكم لتنظيم الانتخابات الرئاسية في هذا الوقت الأسباب التي ذكرتها والحلول التي يقدمها حزبكم تحدثتم عن فترة انتقالية لكن ليست بنفس الوجوه ونفس الباءات. السؤال الثاني يتعلق بمحاضرة ألقاها فرحات مهني في تيزي وزو وتحدث عن الاحتلال الجزائري، كيف يقرأ حزبكم هذه المحاضرة وما هو تعليقكم؟ السؤال الثالث، هناك ملفات تفتحها العدالة تخص الفساد، هناك وجوه من السلطة كبيرة وكذلك أصحاب رؤوس الأموال، كيف تعلقون على هذا؟ هل هي مبادرة حسنة أو كما نقول ربما إرادة سياسية هل هي موجودة حقا لمكافحة الفساد وشكرا شكرا merci. كما سبق وقلت ربما هذا الوضع اللي تعيشه الجزائر من ناحية اللغوية لأنه جريدة المجاهد ناطقة باللغة الفرنسية على هذا درت باللغة الفرنسية ولكن ما كانش مشكل احنا كحزب منذ تأسيس الحزب وإحنا نقدمه في بدائل ومقترحات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التنظيم المؤسساتي لكن مع الأسف إحنا كما تعرفي أحزاب المعارضة والمعارضة ككل في الجزائر تواجه تضييق كبير على الممارسة السياسية ونعتقد باللي راكم تتبعوا واش صرا لنا احنا في كل مره نحاولوا نديروا حتى لقاءات باش نشرحوا المبادرات تاعنا كنا نقابل بالقمع و بتوجيهنا الى اعتقالنا في مراكز الشرطه لمنعنا من شرح فقط مبادرة للمواطنين تاعنا. الحاجة الثانية هو لا تنسي سيدتي مادام راكي تمثلي الإعلام العمومي أن وسائل الإعلام كانت مغلوقة تماما في وجه المعارضة باش
تقدم البدائل تحلى وانتحى والرؤى. وأنا اليوم راني فرحانة لأنه الثورة الجزائرية السلمية المليونية حرت حتى قنوات الإعلام العمومية والإعلام العمومي عموما سواء كان مرئي أو مسموع أو مكتوب، وهذا شيء لازم نفرحوا به ونقول الحمد لله اللي اليوم الجزائر صبحت وسائل الإعلام العمومية اللي هي مرافق عمومية بطبيعتها لابد تكون مفتوحة لكل الجزائريين دون إقصاء، والمعارضة هم جزائريين وهم أحزاب معتمدة من طرف الدولة الجزائرية، وهذا ما ينساه العديد من الناس لما يشوفوا في المعارضة وكأنها عدو للسلطة. أو المعارضة هي أحزاب معتمدة طبقا لقوانين الجمهورية، طبقا لقانون الأحزاب، وطبقا للدستور الجزائري الذي يعترف بالمعارضة ودستوريا يضع لها مكان، ولكن عمليا عشنا تضييق كبير وما زلنا نعيش لحد الآن نوع من التضييق، لكن الحمد لله الثورة حاولت الآن باش تفتح الأبواب لكل الأطراف. الآن البدائل حقيقة بعد هذه الثورة، شوفي حتى احنا كأحزاب معارضة لابد أننا ندخل هذا المعطى الجديد اللي هو الثورة السلمية اللي دخلتها، سواء من حيث طريقة ممارستنا للعمل السياسي، سواء من حيث أيضا البدائل المقترحة. لابد البدائل تاعنا تكون تأخذ بعين الاعتبار يعني متطلبات الشعب وطموحات الشعب الجزائري اللي عبر عليها منذ 22 فبراير، كما تعرفي باللي احنا كنا السباقين في الخروج إلى الشارع وفي رفض العهدة الخامسة، بيسكو أول مبادرة وكتبنا رسالة وجهناها الرئيس الجمهورية في جوان الماضي 2018، وين قلنا باللي الذهاب إلى عهدة خامسة سيكون كارثة على البلاد وعلى الجزائر، واقترحنا خارطة الطريق بالتشاور مع السلطة، وقلنا لازم تكون فيها حكومة ائتلاف وطني آنذاك، وقلنا أيضا باللي لازم نروحوا إلى تعديل كل المنظومة التشريعية اللي تحكم العمل السياسي بما فيها الدستور، قانون الأحزاب، قانون الجمعيات، قانون الإعلام، قانون السمع البصري، قانون الإشهار، كل القوانين اللي عندها علاقة مع الممارسة السياسية. مع الأسف يعني خريطة الطريق تاعنا رفضت وخرجنا للشارع واعتقلنا في العديد من المناسبات كل قيادات مواطنة في كل ولايات اللي حاولنا نديروا فيها نشاط. بدينا هنا بالعاصمة في ساحة الشهداء، ثم قسنطينة، ثم بجاية، وكنا نادينا باللي المجتمع الجزائري لازم يتحمل اليوم مسؤوليته، ولازم المواطن الجزائري يخرج باش يعبر على رأيه، يقول يا هل ترى راهو قابل هذه الأوضاع ولا مش قابل. وهذا الشيء اللي اليوم وصلنا إلى أنه الكأس تاع الجزائريين المواطنين والمواطنات فاض، وكانت العهدة الخامسة هي القطرة التي أفاضت الكأس. الآن طبعا مع هذا الوضع لابد نشوفوا أننا نخرجوا من الانسداد السياسي، وهذا هو المهم، لأنه الشعب ينتظر منا الكثير، والشعب يعني تعب 10 أسابيع من المظاهرات السلمية في كل مناطق الوطن وفي الخارج أيضا، يعني مش حاجة سهلة بالملايين، راه هناك تعب حقيقة، ولكن هناك أيضا إصرار من طرف الشعب أنه لن يكف على المظاهرات. علاه؟ لأنه المظاهرات هذه اليوم خلقت ان رابور دو فورس، يعني ميزان قوة جديد. بكري السلطة كانت وحدة ما عندهاش ميزان قوة يواجه هذا السلطة، اليوم كاين ميزان قوة جديد ألا وهو الشعب. لابد على السلطة، على الأحزاب، على المعارضة، على النخب أن تأخذ بعين الاعتبار هذا ميزان القوة الجديد اللي حدثته الثورة السلمية. الآن طبعا هي المظاهرات هي نوع من الضغط الجيد على السلطة، لكن هذا لا يكفي، بالتأكيد هذا لا يكفي، لابد من مرافقة هذه المظاهرات السلمية والذهاب إلى مقترحات جدية لحل الأزمة، أو الذهاب على الأقل في تشاور جدي مع السلطة، ولكن تشاور جدي مع كل الطبقة السياسية دون إقصاء، وكذلك مع المجتمع المدني حتى نتفق على خارطة الطريق. وهذه هنا على هذا أنا ما نوافقش بزاف الناس اللي تقول لك أعطيني الحل، لازم نخرجوا من الحل الانفرادي، ما كان حتى واحد عنده حل انفرادي، إي تون ميو دايوغ، باسكو إحنا إلا خرجنا
يعطيك صحي. لا خرجنا من نحب نخرج من الرؤية الواحدة والرأي الواحد والقرار الواحد والبرنامج الواحد، حبينا نخرج إلى رؤية تشاورية تكون نتاج تشاور وحوار جدي، ولكن تكون حقيقة تخدم الشعب ومصالح الجزائر. اليوم ما نغلطوش، اليوم التحدي هو تحدي كيف ننقذ الجزائر، كيف ننقذ الجزائر، وهذه مسؤوليتنا كل، مسؤولية السلطة لأنها هي في السلطة بالتأكيد عندها أكبر مسؤولية منا احنا كمعارضة، لأن المعارضة لا تملك إلا المقترحات وليس في يدها القرار. هذه باش نتفقوا، باسكو نسمع سوفون بعض الإعلاميين يقول لك لا انتم المعارضة ثاني ما درتوا والو، احنا واش نقدروا نديروا؟ احنا نقدموا المقترحات، نقترحوا بدائل، بصح القرار مش في يدنا احنا، القرار في يد السلطة. إذا اللي في يده القرار هو اللي لازم يوري حسن النية باللي ها كاين إرادة سياسية حقيقية وجادة في إيجاد الحل، وهذه لا تتم إلا عن طريق التشاور، لأن الجزائر متعددة، الجزائر فيها طيارات سياسية متعددة، لكن اليوم هناك إجماع على الأقل حول كبريات الأمور. وكبريات الأمور بالنسبة لي أنا هو أنه كل الطبقة السياسية بمختلف توجهاتها السياسية من أقصى اليمين لأقصى الشمال متفقة على أنه يجب أن نذهب إلى قطيعة نهائية مع هذا النظام. هذه حاجة مليح. الأغلب الطبقة السياسية مجمعة على ضرورة بناء دولة القانون، هذا شيء مليح. الطبقة السياسية مجمعة على أنه لازم نروح إلى استقلالية السلطة القضائية. الطبقة السياسية مجمعة على أننا لازم ندعم الحريات، ما لازمش ترجع الجزائر إلى ما قبل 22 فبراير، يعني كل الحريات، حرية التعبير، حرية الصحافة، حرية الاستثمار، حرية التنقل، حرية. اليوم كي تشوفي باللي كاين جزائري وجزائريات السلطة تمنعهم أنهم يدخلوا العاصمة باش يمانيفيستيو، هذا مساس خطير بحرية التنقل اللي هي مكرسات دستوريا، كذلك حرية التظاهر السلمي، هذا مكسب عظيم منذ ثورة فبراير، لابد أن نثمن وأن نحافظ على هذا المكسب. إذن هناك العديد من نقاط التوافق بين كل طبقة سياسية وحتى السلطة، ما دام السلطة راهي تقول أنا مع بناء دولة القانون، أنا مع بناء دولة المؤسسات، أنا مع الديمقراطية، أنا إذن يلا سيدي مرحبا، ما لازمش تبقى خطاب، لازم نشوفوا أفعال حقيقية اللي السلطة اللي راهي موجودة اليوم تجمع كل الطبقة السياسية وممثلي المجتمع المدني باش مع بعضنا كل بعد التشاور نديروا خارطة طريق توافقية تحدد أهداف مرحلة انتقالية، ميكانيزمات وآليات مرحلة انتقالية، وكذلك مدة المرحلة الانتقالية، وأن تذهب القيادة الجديدة للبلاد إلى تعيين حكومة كفاءات وطنية وليس كما يقولوا أخرين دي تكنوكرات، كفاءات لا كومبيتونس، باسكو اجوردي لالجيري ا بيزوان دو كومبيتونس، لازم الكفاءة، على خاطر كاين مشاكل كبيرة على مستوى الاقتصاد، كاين مشاكل كبيرة على مستوى المدرسة، الصحة، المسائل اللي تهم المواطن في حياته اليومية، هذه لازمتنا حكومة جديدة اللي حكومة تكون عندها الكفاءات اللازمة باش تقدر تتكفل بهذه المشاكل هذه، والمسار السياسي هو دائما مسار تشاوري توافقي، وهذا هو الحل الدائم، على خطر لا حل دائم لأزمة الجزائر دون حوار ودون نقاش جدي، هذا هو الحل اللي نشوفه احنا. النقطة الثانية بالنسبة للكونفرنس تاع فرحات مهني، الشيء المؤسف في بلادنا هو أنه مازال عندنا لي ريفليكس نتاع القمع، كاين قمع إداري وكاين قمع أمني وكاين قمع سياسي. فرحات مهني تم دعوته عن طريق سكايب للمشاركة في محاضرة في جامعة تيزي وزو. الجامعة كما تعرفوا أنا واحدة من الناس اللي عرضوني جامعة تيزي وزو، عندها يمكن شهر من اللي حضرت في جامعة تيزي وزو، عرضوني ودرت محاضرة وتم نقاش ربع سوايع ولا خمس سوايع مع الطلبة مع الجامعيين، هذا حاجة مليحة يعني، لأنه الجامعة هي المكان المفضل لتكوين النخب السياسية، والجامعة في العشرين سنة ما بقاتش تدير في هذا العمل. اليوم لازم نفرحوا أنه الجامعة استرجعت الفضاء نتاع النقاش ونتاع العمل السياسي والنقاش السياسي، هذه حاجة مليحة. الآن علاش الجامعة عرضت فرحة مهني
ما أنا ما عنديش جواب، لأنه أعتقد باللي فرحة مهني جزائري كباقي الجزائريين إذا كان مازال عنده الجنسية الجزائرية. لكن أنا اللي لفت انتباهي هو أنه مدير الجامعة تمت يعني تنحيته من المنصب تاعه، كذلك الوالي. هذا شيء خطير، خدش علاه. واش تحملت المسؤولية تاع مدير جامعة ولا والي ولاية تيزي وزو في هذا الأمر؟ هذا ما لازمش نروحوا إلى العقوبات الرضعية إكسيسيف، يعني المبالغ فيها، حتى ولو كان العديد من الجزائريين بما فيها في منطقة القبائل ما همش موافقين مع نظرة فرحة مهني اللي هو يطالب باستقلال القبائل وما يعترفش بالجزائر ويحب دولة وحده إلى آخره. الشعب راه، أنا رحت لتيزي وزو، رحت لبجاية، ولو البارح كنت في أوقاس درت محاضرة في أوقاس وتوسع. يعني الشعب الحمد لله واعي، وشعب يتكلم على الوحدة الوطنية، وشعب يتكلم على الجزائر كدولة، ولكن كدولة ديمقراطية تسمح لكل الطيارات السياسية أنها تعبر على رأيها. الآن أنا هذا الشيء اللي يعني ما نقبلوش شخصيا، خدش ما لازمش نخرجوا من طريقة تعقم ندخلوا في طريقة أخرى تعقم. أنا ضد العقوبات هذه اللي تمارس على الإداريين اللي راهم أحيانا ما عندهمش مسؤولية مباشرة. الآن هو هدر، أسكو الشعب مشى معه؟ أسكو الشعب مشى معه؟ شعب القبائل ما هوش ماشي في استقلال القبائل على الجزائر. دونك هذا هو المهم، يعني فبرحوا في الاستثناء. يقول لك الاستثناء يحفظ، الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. دونك استثناء فرحة مهني، هذه فكرته، هذا رأيه. هل ترى تبعوه المواطنين المواطنات تاع منطقة القبائل؟ ما تبعوش. إذن هذا هو المهم، هذا هو المهم. ما لازمش نروحوا في نخليوا الاصل ونروحوا للفرع. الان ثاني ايضا لازم نقولوا باللي سياسه الاقصاء مش مليحه، هي سياسه الاقصاء اللي تؤدي الى الاكستريميزم، تؤدي الى التطرف، التطرف بكل اشكاله. كاين تطرف، كاين العديد من التوجهات المتطرفه. دونك سياسه الاقصاء لازم نحوها، باسكو كي تنحي سياسه الاقصاء وتسمعي الناس ما نظنش لك ان يتطرف، بصح الا تقصيه جوست باسكو عنده فكره تختلف على فكرتك تجعلي منه متطرف. هذا هو الاشكال. دونك اليوم اعتقد باللي المسؤوليه تاعنا كل هو اننا نحاولوا نحافظوا على ان الجزائر تحتوي الجميع، وممكن نتناقشوا مع كل الاطراف. النقاش ممكن ولازم يكون حتى الافكار اللي ما تعجبناش، بصح ما نقصيوش، ولكن هو الانسان اللي يدير فكر اقصائي مع روحه الشعب هو اللي راح يقصيه، باسكو اليوم رانا نقولوا الشعب هو اللي لازم يقرر. وبالتالي انا نظرتي باللي لازم نخرجوا من سياسه الاقصاء ايا كانت ومن اي جهه كانت، والا نستعمل ايضا العقوبات هذه الرضعيه ضد ناس اللي ما عندهمش مسؤوليه مباشره في وضع كما هذا. مينتنو السؤال الثالث تاعك على القضايا اللي راهي تشهدها الجزائر في الاونه الاخيره في ملفات ما تم التعبير عليه باللي مكافحه الفساد. صحيح انه الشعب الجزائري كيخرج، اولا منذ 22 فبراير خرج للمطالبه بقطيعه سياسيه مع النظام الحالي، طالب باصلاحات سياسيه، طالب بالديمقراطيه، طالب بالحريات، طالب بدوله القانون. ولكن أيضا الشعب الجزائري طالب أن الناس اللي نهبوا المال العام، الناس اللي تسبوا في أنهم خلقوا أوليغارشيا هي اللي تحكمت في أهم ثروات البلاد وما خلات الشعب الجزائري يدير التنمية الدائمة والشاملة لكل مناطق الوطن، هذو لازم كما نقولوا احنا لازم يتحاسبوا عن مسؤوليتهم. علاه؟ علاه؟ على خاطر المسؤولية السياسية دستوريا وقانونيا أي إنسان يتحمل مسؤولية سياسية لابد يدير في راسه باللي لازم يقدم الحساب للشعب. هذا واش يطلب فيه الشعب. ما عندوش الحق أي إنسان يكون رئيس، يكون وزير أول، يكون وزير، يكون والي، يكون مير، يكون ديبيوتي، ما عندوش الحق يقولك انا باسكو راني في السلطه انا قررت هكا و جو نغون كونتا بيرسون، ما نقدم اي حسابات على واش راني ندير. نو، باسكو المساءله مساله جوهريه عندنا احنا. بالنسبه لينا احنا اذا بغينا نبنيو دوله القانون صح
وإذا بغينا نبنيو دولة للجمهورية الجديدة لازم نبنيو مسألة المساءلة تكون مسألة جوهرية. ما كان حتى واحد اليوم ياخذ مسؤولية سياسية في أي مستوى كان وما يقدمش الحساب على واش قرر واش خذا واش دار، يعني لا كونتابيليتي دو سا ريسبونسابيليتي، لأنه السياسة إتيكال مساءلة. إلا ما تكونش مساءلة سياسة لامبونيتي يعني اللا عقاب هي اللي وصلتنا اليوم نكتشفوا كوارث، هذه هي سياسة اللا عقاب. اليوم لازم ننهيو سياسة اللا عقاب، لكن بالمقابل أنا نقول باللي سياسة اللا عقاب أيضا إذا نحبوا نديروها لازم تكون موضوع أيضا تشاور ونقاش. كاين توجهين الآن اللي راهو يدور في الساحة السياسية والساحة العامة عندنا في النقاش تاع المواطنين. كاين الناس يقول لك نو المسؤولين اللي تسبوا في تبديد المال العام ولا سرقة المال العام ولا يسوسون تنغيشي يعني اغتناوا بمناسبة المنصب تاعهم السياسي اللي كانوا يحكموا، هذو لازم نون سولمون يردوا الأموال تاع الشعب مي لازم يتحاسبوا يتعاقبوا جزائيا يعني يتلاحوا في الحبس. كاين توجه واحد آخر يقول ما يهمنا في هذه المسألة أنه هناك ملايير تم تبديدها سواء عن طريق تضخيم الفواتير سواء عن طريق لي سوسيتي اوفشور سواء عن طريق لي سوسيتي اكران سواء عن طريق هنا لي باس دغوا عن طريق كما نقولوا حنا المحسوبيه عن طريق السلطه عن طريق الاقتراب من السلطه اختلاط المال الفاسد والوليغارشيا مع السلطه. هذو يقول لك ليسونسييل سيكو نسترجعوا هذيك الاموال باسكو الجزائر محتاجه هذيك الاموال باش نعاودوا غولونس لا ماشين ايكونوميك باش نعاودوا العجله الاقتصاديه نعاودوا نحيوها باش نخلقوا مناصب الشغل باسكو الجزائر اليوم عندها سكان اغلبيتهم شباب وهذا الشباب هذو محتاجين مناصب عمل. عندنا ما يقارب بين 200,000 و300,000 جامعي يخرج سنويا، هذو واش راح نديروا لهم؟ نطيشهم في البحر؟ هذو لازم نخلقوا لهم مناصب الشغل، وباش نخلقوا لهم مناصب الشغل المؤسسه الاقتصاديه هي اللي تخلق مناصب الشغل ماهيش الاداره. دونك اليوم محتاجين على الاقل حسب التقديرات للخبراء الاقتصاديين اللي تختلف من خبير الى اخر، ولكن هناك اجماع على الاقل بانه نحتاج اليوم الجزائر باش نمتصوا البطاله الموجوده خاصه لدى الجامعيين لازم نخلقوا على الاقل بين 2 ملايين و4 ملايين مؤسسه صغيره ومتوسطه. اذا هذو باش تخلقي هذه المؤسسات لابد انك تسترجعي هذيك الاموال. الحاجه الثانيه اللي مهمه هو انه الاقتصاد الموازي. أنا عندي سنوات وأنا نطلب خاصة منذ انهيار أسعار النفط، نذكر باللي كانت واحدة من القنوات الخاصة في الجزائر عرضوني بمناسبة إمضاء قانون المالية تاع 2015، وين الرئيس آنذاك بوتفليقة بعث لنا برية قال لي يا ودي راهي الأزمة الاقتصادية بدات وانهيار أسعار النفط لازم تبداو في التقشف. أنا كنت هذاك الوقت قلت له سيد الرئيس أنت المفروض هو راك رئيس تاع البلاد، المفروض في ازمه اقتصاديه لازم او تقشف او سياسه تقشف او انهيار عائده النفط في الجزائر لازم تاخذ قرارات اللي تعود عندها سيمبوليك يعني عندها رمزيه بالنسبه للمواطن. ما تقدرش تقول للمواطن البسيط اللي يدي 20,000 دينار ولا 30,000 دينار تقول له تقشف، واش يتقشف؟ هذا ديجا مقشف دو ناتور، واش راح يتقشف؟ ما عنده ما يتقشف. دونك ابان سي لاغيفا فيفغ يشري الحليب والخضره لوليداته ولا يلبسهم ولا يبعثهم يقراو سي فريمون جوست جوست. بصح باغ كونتخ قلت له لو كان كي تعود ازمه لازم تبعات الازمه نتقسموها كامل، ماشي الشعب لا ماس هي اللي تخلص الفاتوره والناس اللي اغنياء ما يخلصوش الفاتوره. دونك انا قلت له المفروض تاخذ قرار جدي يكون عنده رمزيه انه يكون ديجا خفض الرواتب تاع بدءا بالرئيس اعضاء الحكومه اعضاء البرلمان لي زوفيسي سوبيريور دو لارمي، باسكو علاه؟ باش يحس المواطن باللي المسؤولين تاعو راهم يتقاسموا معاه الهم، ماشي الهم للشعب والرفاهيه للحكام.
Donc ça, c'est une symbolique. Certainement, هذيك كي تخفضي في الرواتب تاع المسؤولين, باش راح تعبي الخزينة العمومية. Faut être honnête intellectuellement. Mais c'est une symbolique politique. قال أنا راني كرئيس نتقاسم الهم تاع المواطنين تاعي, مادام كاين أزمة on va réduire les salaires, c'est une symbolique. الحاجة الثانية كنت طلبت منه قلت له سبحان الله راك عندك 20 سنة من الوجود. لو كان في 20 سنة درنا l'intégration de l'économie parallèle dans l'économie réelle, 2% par an, على الأقل. 2% كل سنة, لو كان اليوم on aurait résorbé, يعني كنا قضينا على الاقتصاد الموازي اللي راه هو يشكل تقريبا 40% حسب التقديرات تاع الخبراء من البي بي تاع الجزائر. دونك هذه المسائل هذه هي اللي تخلينا اليوم نقولوا باللي بالنسبه للقضايا هذه اللي راهي تشهدها القضاء, انا شخصيا ما نفضلش, جو في بارلي لا اون طونك جوريست اون طونك انسيان ماجيسترا, أنا من الناس اللي ندافع وحياتي كاملة وأنا ندافع على استقلالية السلطة القضائية. استقلالية السلطة القضائية هي مسار وليست قرار سياسي, باش نتفاهموا مليح. مسار معناه لازم تكون أولا خارطة الطريق نتاع إصلاح العدالة مش الإصلاح الشكلي, ثانيا لازم نديروا تكوين جديد للقضاة يتلائم مع كيف يمارس القاضي صلاحياته واستقلاليته مقارنة بالسلطة السياسية. ثالثا هناك العديد من القوانين لا بد إعادة النظر فيها, نطمع قانون الإجراءات الجزائية المادة 6 اللي تمنع أنك تحركي الدعوة العمومية في كل القضايا اللي تمس المال العام إذا كان ما كانش شكوى من طرف الهيئات الاجتماعية. الهيئات الاجتماعية اللي هي الكونسي دادمينستراسيون لسانديكا اكسيتيرا. دونك اوجوردي هذه الماده هذه هي استنفخه باش تقومي بمتابعه وتحريك الدعوه العموميه كل ما يكون هناك فساد او تبديد للمال العام او ممارسات مخالفه للقانون. اذا باش ديري استقلاليه السلطه القضائيه لازم دابور القضاة كي خرجوا هما ثاني حررتهم الثوره السلميه, القضاة كي خرجوا هما في حد ذاتهم يطالبوا يقولوا احنا بغينا عداله مستقله. بصح العداله المستقله سي با بار ديكري سي با كوم سا أيا عدالة مستقلة سي بون اون فا ديفينير نو باسكو يا دي ريفلكس يا دي براتيك يا دي لوا يا دي اون نوفيل ريورغانيزاسيون يعني إعادة نظر تنظيم جديد رؤية جديدة فلسفة جديدة. وهذه واش تأدينا؟ تأدينا إلى أن لازم يكون عندنا وزير عدل اللي يحمل خارطة الطريق سيتادير كيف ينظر إلى إصلاح العدالة مع المعطيات الجديدة ألا وهي الثورة. كيف تكون العدالة مستقلة؟ كما قلت لك كاين العديد من العوامل اللي تقدر تؤدي إلى استقلالية السلطة القضائية, لكن أيضا لازم نعيد النظر في السياسة العقابية تاعنا. هل السياسة العقابية التي اعتمدت لحد الآن وخاصة في 20 سنة الأخيرة هي سياسة عقابية تتلائم مع سياسة الوقاية أو السياسة الوقائية وسياسة إعادة الإدماج ولا سياسة رضعية؟ السياسة العقابية تاعنا الآن هي سياسة رضعية مبنية على الردع فقط. والدليل على ذلك لما تسمعي باللي ممثلين وزارة العدل يفخروا ويتباهوا يقول لك احنا بنيو 85 حبس في السنوات المقبلة. مي سي با بوسيبل, وين رانا رايحين؟ الجزائر كلها راح تولي حباس, الناس تبني في المؤسسات الاقتصادية وحنا نبنيو في الحباس. علاه؟ باسكو لا بوليتيك تاعنا بينال الي بازي سور اون بوليتيك بينال ريبريسيف, اني با بازي سور اون بوليتيك بينال de prévention et surtout de réinsertion. كي نقول de prévention de réinsertion يعني كاين الدولة عندها دور أن تقوم بسياسات وقائية, والسياسة الوقائية الأولى هي أنك تديري هناك توزيع عادل للثروة. التوزيع العادل للثروة يمنع الانحراف parce que il y aura plus de frustration, il y aura plus d'exclusion. ما تكونش عندك طبقه مهمشه, ما تكونش عندك طبقه فقيره كبيره, خاطش الفقر هو اللي يؤديك للاجرام الاول. بون ما كانش دراسات لانه النظام ما يسمحش بدراسات جديه بالاحصائيات باش نشوفوا, ولكن نقدر نقول لك دو بار يعني مون اكسبيريونس بيرسونيل ان طونك ماجيسترا ولا ان طونك افوكا مانون سي كو لازم نروحوا الى دراسات جديه وين نشوفوا باللي السياسه هذه لازم تتغير. وكي نقول السياسه هذه لازم تتغير
هذه تأديني إلى أنك مثلاً كيكونوا عندك رجال أعمال. تعرفي باللي الحبس الاحتياطي في القانون الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية هو إجراء استثنائي، يعني قاضي التحقيق لا يلجأ للحبس الاحتياطي إلا إذا استوفى كل الإجراءات القانونية اللي اعطاها له القانون وأصبحت غير فعالة إنفكاس باش يلجأ إلى الحبس الاحتياطي كإجراء استثنائي. معناه اليوم إلى عندك دي زوم دافير اللي ارتكبوا مخالفات، قاضي التحقيق يقدر يديرهم تحت الرقابة قضائية لو كونترول جوديسيير، يقدر يدير لهم انترديكسيون دو سورتي دو تيريتوار كل ما يسحقهم، يعني خاطش القانون واش يقول؟ يقول كل انسان، كل مشتبه فيه او متهم، خاطش المتهم بريء الى غايه ان تثبت ادانته بحكم نهائي. هذه سوفون ينساوها الناس، قرينه البراءه مساله جوهريه في دوله القانون. ما تقدرش انسان باسكو تفتحت ضده اون انستركسيون جوديسيير تقولي هذا راهو متهم وراهو مدان وراهو صايي الي كونداني. حنا عندنا صبحنا نكونداني العباد قبل ما تكونضانيهم لا جوستيس. الاعلام يلعب دور في هذا الشيء. هذا الاعلام ما لازمش يكون اعلام برك نتاع الاثاره ونتاع الاشهار وكذا، لا، لازم يكون اعلام مسؤول. اليوم قاضي التحقيق المفروض يقدر يخلي في الرقابه، خاطش علاه القانون يقول له كل مشتبه فيه ولا متهم يقدم ضمانات قانونيه، يعني عنده اون ادريس كوني يمثل للعداله، كل ما تعيط له يقدر يخليه في الرقابه قضائيه وكل ما يسحقه يعيط له، ونهار كي يكون كل الادله عنده هذيك الساعه يقدر يستعمل الحبس الاحتياطي، ما كان حتى مشكل باسكو ورقه موندا ديبو سهله، سهله دير موندا ديبو، بصح لازم دابور تجيب لي شارج، يعني الادله تاع الاثبات تاع هذيك التهمه. الان حقيقه هناك شويه نوع من الخلط في القضايا. انا ما نعرفش الملفات لانه مانيش متاسه في اي ملف من الملفات، وهذه جو تيان ا لو دير باسكو يا بوكو دو مانيبيلاسيون. مدام زبيده عسول راهي محاميه تاع فلان تاع فلتان، جو نو سوي محاميه حتى تاع واحد. لا لا معليش اجا ايه واش رانا نقولوا؟ هذا هو، هذا هو، هذا هو التعثيم الاعلامي اللي رانا نقولوا عليه. اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تقول نيمبورت كوا احيانا، بصح الصحافه مادام صحافه محامي كي يتاسس كاين ما يسمى برساله تاسيس فيها الكاشي. انا اتحدى اي واحد يجي يقول لي بلي زبيده عسول راهي متاسه في اي قضيه من هذه القضايا، واليوم هي عندي الفرصه باش نقول لكم ماني متاسه في اي قضيه. لكن بالمقابل انا نقول باللي التهم الموجهه لهؤلاء انا ما نعرفهاش، لانه ما يقدر يعرفها غير المحامي اللي راه متاسس في الملف. وانا باغ اونيتي انتليكتويال من باب النزاهه العلميه ما عنديش الحق نقول واش كاين تهم. المشكل المطروح الان هو انه كاين ضبابيه كبيره، سيتادير المفروض في دوله القانون والعداله المستقله مادام القضاة يطالبوا بها انه يجي النائب العام ولا وكيل الجمهوريه اللي راهو يتبع في هذه الملفات يدير ان بوان دو بريس ويشرح، يقول هاو فلان واش من تهمه، هاو فلان واش من تهمه، هاو علاش لحنا في الحبس اكسيتيرا. لو فات كي ني با دو كومينيكاسيون، ما كانش اعلام رسمي صادر عن الجهات القضائيه اللي راهي هي تتبع في هذا الشيء. طبعا هذا يفتح الباب الى كل التاويلات وكل التخمينات وكل القراءات المزيفه والقريبه من الصحه والبعيده. هذه حاجه مش مليحه، خاطش هذه تزيد تاجج الاوضاع، تزيد الزيت على النار، سا سي با بون. انا نقول باللي اذا العداله تبغي تكون مستقله، العداله ما لازمش تخدم باوامر ومن اي جهه كانت. Vous croyez que la justice continue à travailler avec l'awamal? Je ne dis pas qu'elle continue. Je dis la yajib. Ou hada ma yutalib bih l'qudat. La yajib al l'adala an takhda'a li ay awamal. Ana ndir bark qira'a li yani tasrih sadr an qaid l'arkan gal yajib al l'adala an tusri'a. Hadi bark kalimat an tusri'a tu mets la justice sous pression. على خاطر العدالة لازم تخدم دون لا سيرينيتي، يعني برصانة. الرصانة أنك تأخذ الوقت أنك تحقق في القضايا وتطبق القانون بجدية
وما لازمش تتسرع جوستومون باسكو علاه التسرع يؤدي الى الاخطاء كي تتسرع ترتكب اخطاء كي تاخذ وقتك والعداله لا يجب ان تتسرع العداله يجب ان تطبق باردون العداله يجب ان تطبق القانون وان تحترم القانون وتطبق الاجراءات وتحترم الاجراءات وتاخذ الوقت اللازم لانه هذه المساله مساله تتعلق بحريه الاشخاص وحريه الاشخاص راهي مضمونه دستوريا لا عقوبه ولا جريمه الا بنص وان الحريه مكرسه في الدستور ويجب حمايتها بمقتضى القانون دونك انا من الناس اللي نقول لازم لا جوستيس نخليو لها الوقت تخدم بصح لازم لا جوستيس في اطار استقلاليه السلطه القضائيه يجب ان الدوا كومونيكي العداله ما تخليش الباب مفتوح للمزايدات ما تخليش الباب مفتوح للقراءات المغلوطه لازم تدير ان بوين دو بريس كل اسبوع ولا كل 15 يوم ولا على الاقل المواطن يسمع من جهه مختصه اللي عندها الملف اللي تعرف دون المساس بسريه التحقيق باسكو احيانا بزاف الناس تحب تقول لك علاه قاضي التحقيق ما قالش نو قاضي التحقيق مربوط بالقانون والقانون هذا يحتم على قاضي التحقيق يحافظ على سريه التحقيق ما عندوش الحق يفشي سريه التحقيق حتى ينتهي من التحقيق ويروح امام قاضي الحكم في قاضي الحكم الجلسه علنيه ممكن الشعب يحضر ممكن المحامي طبعا حاضر وممكن الشعب يحضر هذيك المحاكمه ويشوف واش كاين في الملف بصح اثناء التحقيق التحقيق سري علاه سري علاه باسكو كل حاجه عندها تفسير لانه ممكن هذاك الشخص حتى ولو كان تلح في الحبس حتى ولو كان تلح في الحبس الاحتياطي حتى ولو كان تم اتهامه من طرف النيابه يقدر كي يوصل قدام قاضي الحكم يعطيه البراءه يسمى انت تشوهي له سمعته وتقول له راهو مدان وتخرجي له هو ما زالت العداله ما حكمتش عليه دونك قرينه البراءه ما دام قاضي الحكم ما صدرش حكم ونهائي صادق استوفى كل الاجراءات عندك الدرجه الاولى والدرجه الثانيه والمحكمه العليا 3 دوغري دونك طونك الحكم ماهوش نهائي وادان ذاك الشخص نهائيا يعتبر انكور المتهم بريء هذه اللي ما لازمش نغلطوا فيها واحيانا بعض وسائل الاعلام الله يسمح لهم يبداو يروجوا ويقولوا يكوندانيو هذاك الانسان يسبوا له مشاكل مع عائلته عائلته تتلقى مشاكل وهذا شيء مش مليح لازم فقط نقولوا باللي انسان متابع مشتبه فيه ونخليه العداله دير التحقيق تاعها كما ينبغي ونهار تحكم عليه العداله هذيك الساعه نقولوا هذاك الانسان ارتكب هذيك الجريمه ولا لا دونك سي اون كومبرون بيان مدام عسول pardon toutes les procédures entreprises actuellement par le parquet par la justice concernant l'incarcération des hommes d'affaires est en violation des lois non je n'ai pas dit ça ne me faites pas dire l'ihtiyati c'est une exception exception absolument mais ma n'aعرفش الملف واش فيه هذا هو اذا الملف فيه تهم ثقيله وخطيره وكاين ادله من حق قاضي التحقيق انه يصدر امر الايداع انا نقول فقط باللي امر الايداع ما يقدرش قاضي التحقيق يديره الا اذا كانت عنده ادله قويه ملف فيه يعني ديشارج امبورطونت اي اون ميم طون من حيث الضمانات يقول هي الضمانه الوحيده كي نلوحوا في الحبس و كومبروني باسكو الانسان لازم يقعد تحت تصرف العداله استكو فوز استيمي مدام عسول ك لا جوستيس بيس فير سون ترافاي دو مانيير اوبجيكتيف بار رابور ا لا كونجونكتور اكطويل Est-ce qu'elle peut aller au bout de son travail avec la pression exercée sur elle actuellement ? Populaire, la pression populaire. Écoutez, la justice, normalement, devrait être, on va dire, sourde. Parce que la justice ne doit pas écouter ni le pouvoir politique, ni la rue aussi. Parce que la justice doit être sereine. La justice ne doit pas baser son jugement ou sa pratique judiciaire sur ce qui se dit dans la rue. Normalement. Sinon, ça serait dramatique. La justice, elle a dit qu'on dit l'adala est une mujarrada, qui est un tajarrod. Le qadi, ma hu taraf, ma hu yintami ila sulta,
ما هو أيضا جزء من الشارع اللي برا حتى لو كان القاضي هذا راه مواطن مواطن عادي بصح كي يعود يمارس في صلاحياته أن طونك ماجيسترا ما لازمش يسمع إلى ما هو موجود في الشارع يجب أن يتجرد على ما هو علاه خاطش القاضي عنده ملف هو مربوط وملزم بما هو موجود في الملف والقاضي لا يجب أن يستمع إلى ما هو خارج الملف هذه محطوطة في القانون وفي قواعد في قواعد العمل القضائي القاضي يجب أن يتجرد ولا يحكم بما يسمع ولا يحكم بما يجري في الشارع ولا يحكم بما يطلبه ما تطلبه السلطة السياسية ولا يحكم بما يطلبه الإعلام Ça, c'est la norme, bien entendu. C'est ce que je vous dis. Mm-hmm. On veut, parce que l'indépendance, c'est quoi ? On veut que la justice travaille sur ces normes-là. Le qadi mrbout wach andou fi lmilaf. Li andou fi lmilaf, houa li lazm yhaddad at-tasarruf al-qada'i ta'o. C'est-à-dire, il a andou milaf. Haqiqatan, fih adilla wa qara'in. On goulou qara'in qawiya. Hawl al-shubha, yakdar ilouhou insan fi l-habs. Men haqou. Maranach, on goulou ma. Bsah, il a mazal lmilaf. في ابتداء المرحلة نعتقد باللي الإجراء الحبس الاحتياطي لازم يكون آخر حاجة يديرها لأنه القانون أعطى القاضي التحقيق أنه يدير رقابة قضائية أنه يأخذ إجراءات معينة قانونية اللي تسمح له باش تكون عنده ضمانات هذاك المتهم ما يهربش هذاك المتهم كل ما يستدعيه يجي كي يطلب من عنده وثائق يجيبها له هذه هي الضمانات اللي تسمح له باش يدير تحقيق كما ينبغي إذا عنده هذه الضمانات يا وكان بخبلام مثلا إذا القضية خطيرة وحنا ما طليناش على الملفات واش فيها نقدروا نقولوا باللي ما على بالناش اكزاكتومون لحد الان ما هي التهم الحقيقيه الموجهه سواء لسيربراب ولا اللي يكون ناف ولا لعلي حداد ولا مازال ما سمعناش دونك سي سا كي فا فالوار ما لازمش ندخلوا في الشعبويه ونبداو نقولوا لا لا ولازم نديروا هكذا وما نديروش هكذا نو القاضي عنده قانون لازم يلتزم بالقانون وهذا ما يجب ان يفعله داكور وي ليزي مدام Bonjour, c'est Nadia Benaki du journal Expression. Madame, vous avez parlé, vous avez appelé à des discussions sérieuses avec, avec l'armée, l'état-major. Bien évidemment, la classe politique, elle vient de refuser des consultations menées par le chef de l'État, par intérim. Est-ce que, à travers cet appel, est-ce qu'on ne peut pas, c'est-à-dire, par le passé, on a toujours contesté l'implication de l'institution militaire dans la vie politique. Et là, est-ce qu'on vraiment, l'armée, elle est en train de se réapproprier la vie politique. Le seul interlocuteur du pouvoir, c'est bien le Gaïd Salah. Est-ce que vous trouvez ça? La Constitution offre, c'est-à-dire, permet à Gaïd Salah de parler, justement, et de décider de ce qu'il y a lieu de faire. Deuxième question, c'est le communiqué des magistrats. Quelle lecture faites-vous sur le communiqué des magistrats? Et troisième petite question. Lequel communiqué? Vous parlez duquel? Le communiqué des magistrats. Le rejet de la supervision des... Oui, élections. Tout à fait. C'est-à-dire comme quoi la justice... C'est le forum des magistrats. Nouveau tout à fait. Syndicat. Le forum des magistrats. Le club. Oui, le club des magistrats. Troisième question, c'est deux mois après le mouvement populaire, on n'assiste toujours pas à des représentants du peuple. C'est-à-dire il n'y a pas de représentants et il n'y a pas de feuille de route. C'est-à-dire, est-ce que cette situation d'impasse ne risque pas de durer dans le temps ? Merci. Merci. Merci pour vos questions qui vont me permettre justement d'apporter quelques précisions sur la situation actuelle, notamment qui a trait au rôle de l'armée dans la pratique politique. C'est vrai que, personnellement, je l'ai dit à maintes reprises, je continue à le dire, l'armée est une institution constitutionnelle qui a un rôle bien déterminé, c'est de veiller sur la sécurité du pays, l'unité du territoire, la stabilité du pays, c'est ça, ce sont les missions de l'armée. Maintenant, bien sûr, il va falloir aussi faire une différence toujours entre l'institution militaire en tant qu'institution constitutionnelle et l'état-major de l'armée. C'est vrai qu'aujourd'hui, devant la situation que nous a laissée l'ancien président Bouteflika,
Malheureusement, avant son départ, c'est lui qui a installé le pays dans l'anticonstitutionnalité. Parce que, comme vous le savez, l'arrêt du processus électoral, il s'est fait en dehors de la Constitution, puisque la Constitution algérienne, qui est la sienne, ne permet pas d'arrêter le processus électoral. Elle ne permet pas de reporter les élections présidentielles. Elle ne permet pas une prolongation du mandat du président que dans deux cas, l'article 110 qui est l'état de guerre et l'article 107 qui est l'état d'exception. Bien entendu, même dans le décret qui a été rendu, me semble-t-il, le 11 mars, où le président a pris un décret présidentiel pour retirer le décret portant convocation du corps électoral. C'est comme ça qu'il a arrêté le processus électoral. Moi, à l'époque, avant que le président ne parte, je l'avais, par les médias bien sûr, parce que vous le savez, le pouvoir ne rencontre pas l'opposition, hélas, par médias interposés, j'ai dit le président Bouteflika aurait pu, avant son départ, régler un tas de situations et discuter avec l'opposition quant à vraiment au passage de mission ou de direction du pays avant son départ, avant la fin de son mandat. Malheureusement, on n'a pas été écouté puisque le président a arrêté le processus sans concerter qui que ce soit, ni l'opposition, ni même sa majorité, me semble-t-il. Et donc, il nous a mis déjà dans l'anticonstitutionnalité. C'est pour ça que nous, depuis le départ, quand le chef d'état-major a appelé à l'application de l'article 102 de la Constitution, j'avais dit en tant que présidente de l'UCP que la 102 était déjà caduque parce que la 102... On ne pouvait l'appliquer. Nous, ça fait des années en tant qu'opposition, depuis la maladie du président Bouteflika, quand le 102 était 88 de la Constitution, je l'avais dit à plusieurs reprises avec d'autres partis politiques de l'opposition, on a appelé à l'application de l'article 88 à l'époque, et que j'avais même dit que appliquer l'article 88 n'était pas un coup d'État contre Bouteflika, mais c'était juste l'application d'une disposition constitutionnelle qui a été élaborée et faite par le législateur algérien pour parer à tout vide institutionnel contre le président. C'est pas que Bouteflika, peut-être demain on aura un ou une présidente qui jeune mais qui va tomber malade. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie, mais l'essentiel c'est de prévoir au cas où le président tomberait malade pour qu'il n'y ait pas un vide institutionnel et d'appliquer des dispositions constitutionnelles. Maintenant, après, depuis l'amendement de la Constitution de 2016, c'est devenu la 102. On a appelé à l'application de la 102, mais le pouvoir ne nous a pas entendus. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce qui est resté? Après le départ du président Bouteflika à sa démission, après la vacance du poste de président de la République et du ministre de la Défense, parce que le président est constitutionnellement président et ministre de la Défense, donc on n'a plus de président, on n'a plus de ministre de la Défense. Je me demande d'ailleurs comment on peut avoir un vice-ministre de la Défense alors qu'on n'a pas un ministre de la Défense. Bon, tout ça, ça fait partie du génie du pouvoir algérien qui essaye toujours de trouver des subterfuges pour nous proposer des choses qui ne tiennent pas la route, mais enfin, on va passer. L'essentiel, c'est que, qu'est-ce qui est resté? On a appliqué la 102. On nous a ramené le président Ben Salah parce qu'il devient président, je veux dire de fait, ce n'est pas un choix. Abdelkader Ben Salah n'est pas un président parce que nous l'avons choisi, ni que les députés l'ont choisi d'ailleurs, les deux chambres réunies. Il devient escalité président de l'État. Maintenant, le président de l'État, il n'est pas président de la République aussi. Il ne peut pas tout faire. Il y a certaines dispositions constitutionnelles, il y a certaines décisions qu'il ne peut pas faire. Par exemple, il ne peut pas dégommer le gouvernement. Il ne peut pas nommer un autre gouvernement. Il ne peut pas déclarer l'état de siège. Il ne peut pas dissoudre les deux chambres, etc., etc. Il y a beaucoup de prérogatives qui sont... Et ça fait partie aussi de cette constitution justement totalitaire, parce que voilà, on se retrouve encore même après le départ de Bouteflika dans l'impasse, parce que c'est la constitution qui pose vraiment un problème. Maintenant, bien sûr, devant ce vide là, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste l'armée actuellement. Bouteflika, avant son départ, Gaïd Salah est toujours
il a été nommé pas avec le gouvernement de Bédoui. Il faut jamais oublier ça, parce que ce gouvernement n'a pas été nommé après, il a été nommé du temps de Bouteflika. Donc Bouteflika, avant son départ, il a nommé ce gouvernement-là, et il a nommé le chef d'état-major comme vice-ministre de la Défense. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste justement l'armée. C'est pourquoi moi je fais toujours la différence entre l'armée en tant qu'institution et le commandement de l'armée. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons un président de l'État qui ne fait pas de politique, malheureusement. On ne le voit pas, M. Ben Salah. Ni il fait des déclarations, ni il parle avec les gens, ni il propose quelque chose. On a un premier ministre, bien entendu, même s'il est rejeté, mais on ne le voit pas. Il est absent, il est aux abonnés absents. Donc qui va faire la politique? Malheureusement pour nous, aujourd'hui, on a droit au chef d'état-major. Toutes les semaines, d'ailleurs, on attend sa déclaration de la 5e région de Constantine. On va attendre qu'est-ce qu'il va nous envoyer. On attend la fumée blanche. Donc, moi, personnellement, si vous me demandez mon avis en tant que Zoubida Assoul, présidente de l'UCP, je vais vous dire, moi, je ne suis pas du tout d'accord pour que M. Gaït Salah fasse la politique. Et cela... Je le lui ai dit à travers médias interposés, bien entendu, que lui-même, il y a quelques mois, il nous déclarait que l'armée ne fait pas de politique. Or, aujourd'hui, il est le seul à faire de la politique. Il nous fait des déclarations. Vous lancez des appels aussi à l'armée pour qu'elle vienne faire de la politique. Attendez, je vais y venir. Vous avez raison. Vous voulez me coincer? Mais non, pas du tout. Non, mais j'ai des réponses. Il n'y a pas de souci. Ben oui. Vous voulez dialoguer avec l'institution militaire? Absolument, je veux dialoguer et je n'ai aucun complexe là-dessus, parce que aujourd'hui, la seule institution qui est à même d'accompagner, pas de décider, d'accompagner, de faciliter la période de transition, c'est l'armée. Pourquoi? Moi, je ne dis pas que l'armée... du jour au lendemain, qui a toujours fait les présidents algériens, qui a toujours décidé pour les Algériens, aujourd'hui, on va du jour au lendemain lui dire « Allez, bye-bye et au revoir ». On est obligé de passer par une phase de transition, parce que ça, c'est la réalité. Ça, c'est réel politique. « Rana fiha »« Indik l'armée raihna »« Ma'am rahna hadro »« Nahadro ma'am ben Salah » Il est rejeté par le peuple et la classe politique, l'opposition. Avec qui on va parler? Parce qu'il n'y a plus la confiance. Pardonnez-moi, Bédoui n'est pas habilité à faire la politique, il est rejeté aussi. Qu'est-ce qui... Pardon, bien sûr. C'est pour ça que moi je vous dis, je fais la différence entre l'armée et le commandement. Je suis quand même assez claire, non madame? Je fais la différence entre les deux. Aujourd'hui, même si la rue dit que Gaït Salah aussi doit partir... Pourquoi? Parce qu'il a fait partie du système. On ne va pas Non, il fait partie, puisqu'il était avec Bouteflika, il l'a accompagné pendant ces 20 dernières années. Donc il fait partie. Maintenant, par contre, l'institution militaire, en tant que facilitateur de la rencontre et de veiller, de faciliter, d'accompagner justement cette période de transition, cette consultation entre la classe politique, entre la société civile, entre organisés, ça peut se faire parce qu'on n'a pas d'autre solution. Et à ce moment-là, autour d'une table, on peut discuter de toutes les solutions et de toutes les feuilles de route possibles et imaginables que la classe politique et la société civile organisent. C'est pourquoi, moi, je dis que les solutions verticales, ça ne marche plus. Il faut aller vers les solutions horizontales. C'est-à-dire, la classe politique a un rôle, l'armée a un rôle de facilitateur, mais personnellement, je continue à dire, l'armée ne doit plus... se mêler de la décision politique. Donc vous voulez dialoguer avec l'institution militaire en dehors de Gaït Salah? En dehors de l'institution militaire, il y en a beaucoup de dirigeants de l'institution militaire, il n'y a pas que le Gaït Salah. Gaït Salah, il a fort à faire
pour sécuriser le pays, pour lutter contre le terrorisme, pour assurer la stabilité de, nos, de notre pays, l'unité du territoire. Il y a beaucoup de problèmes, il a beaucoup à faire. Donc il reste Gaït Salah, mais on dirait... Non, je ne dis pas il reste, ce n'est pas à moi de dire. Le jour où on aura une direction de ce pays qui va être, le fruit de ce consensus, de ce débat, et qui va décider qui va diriger la transition, c'est aux gens qui vont diriger la transition de dire à Gaït Salah, il reste ou il part. Mais ce n'est pas à moi. Il y a une autre question, je crois. Oui, pardon. Alors, le club des magistrats, comment... position par rapport aux élections. Voilà. Alors, les magistrats, comme vous le savez, font partie du processus électoral. La commission électorale communale, la commission électorale de Wilaya et la commission électorale nationale. Donc, toutes les commissions électorales sont présidées par un magistrat. Il y a eu des milliers de magistrats. Comme vous le savez, les magistrats sont au nombre à peu près... si ma mémoire est bonne, sont au nombre de 7000 et quelques, 7500 magistrats. En tout, il y a eu des milliers de magistrats qui ont dit non, ils refusent de cautionner. Pourquoi ils refusent? Ils refusent parce que le peuple rejette le processus électoral comme il est proposé par, par le pouvoir. Et donc les magistrats, ils ont dit nous, le peuple nous a libérés, on ne peut pas cautionner un processus électoral qui est rejeté par le peuple. On va faire les élections avec qui? Il y a eu, les chiffres sont un peu, bien sûr, il y a toujours la question des chiffres, elle est toujours pas très juste, mais qui se rapproche. Moi, les données que j'ai de la part de certains amis magistrats, on me dit qu'autour de 19 cours sur 36 cours, refuse de cautionner le processus électoral. Le ministère de la Justice diminue beaucoup. Absolument. Il dit le contraire. Il dit qu'il y a quelques centaines de magistrats qui refusent. Mais la réalité est là, c'est que si un processus électoral n'est pas cautionné par les magistrats, bien sûr, il ne peut pas se faire parce que c'est statutaire, c'est la loi électorale. Les magistrats doivent présider les commissions électorales communales et de wilaya, et s'ils refusent de, bien sûr, de présider, on ne peut pas les faire remplacer, quand bien même le ministère de la Justice, à l'époque, il a commencé à sanctionner les magistrats qui refusent et à proposer d'autres magistrats. Ça fait partie aussi des pressions qui sont exercées contre les magistrats pour essayer de les obliger et de ne pas aller cautionner, disons, les revendications populaires. Donc oui, le processus électoral ne peut pas se faire sans des magistrats, c'est clair. Maintenant, pour ce qui est de... Pardon? Non, c'est le mouvement, vous me dites, le club de... Non, c'est la représentativité Du mouvement. Voilà. La représentativité du mouvement, écoutez, moi personnellement, je ne suis pas très favorable à ce qu'on parle des représentants de la révolution. Pourquoi? Je vais vous donner les raisons objectives qui militent pour ma position. D'abord, la révolution est un processus. Il a mis en place un processus de la participation citoyenne dans le débat politique. C'est quelque chose d'extraordinaire. On doit non seulement laisser ce processus et le renforcer, le maintenir et le renforcer. La mise en place de la représentativité, comme vous le savez, vous êtes journaliste, vous faites la différence entre une représentativité et être le porte-voix, on va dire, des revendications populaires. Nous, la classe politique, notre rôle, c'est d'être les porte-voix des revendications populaires à travers traduire ce que le peuple demande vers une proposition de feuille de route. C'est ça le rôle primordial d'une classe politique et des partis politiques. Par contre, la représentativité, ça c'est autre chose. Qui dit représentativité, ça veut dire réunir les gens, élire par des méthodes et des mécanismes consensuels, reconnus, etc., faire des assemblées générales, élire des représentants des étudiants, des médecins, des avocats, des magistrats, des entrepreneurs, des artistes, etc. Ça, c'est un processus qui est en train, il s'est mis en place. Moi, j'ai assisté à beaucoup d'initiatives faites par les jeunes et qui nous ont invités en tant que politiques pour débattre avec nous. C'est excellent,
Mais moi, je ne suis plus le tuteur du peuple algérien. Le peuple algérien est sorti du tutorat de ce pouvoir. Il ne faudrait pas qu'on lui impose un autre tutorat. Gail de dire tu dois Zubida Assoul ou Bouchache. Et on a entendu, ou Flan ou Fultan peut être le représentant de l'Hirak. J'aime pas ce mot, mais de cette révolution ou du peuple qui est sorti. Non, c'est faux. Parce que d'abord, on peut être des personnalités porte-voix, des revendications populaires, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous essayons de faire, tant bien que mal, mais on ne peut pas être les représentants. Il faut d'abord laisser le peuple s'organiser, et c'est ça qui est bien, parce que le peuple doit être acteur dans la politique, dans l'Algérie nouvelle, dans la nouvelle République. Il doit choisir lui-même les mécanismes et ses représentants en toute liberté. Après, c'est pour ça que moi je parle des assises. Les assises nationales vont vous permettre de ramener justement les représentants de toutes ces catégories de citoyens pour essayer de proposer leur propre feuille de route. Et croyez-moi, j'ai rencontré énormément de jeunes dans les grandes écoles, au niveau des médecins résidents, des étudiants, des enseignants, des jeunes entrepreneurs. Ils ont de ces idées absolument géniales. Ils sont très conscients et ils sont très ingénieux. Ils proposent des idées très intéressantes. Pourquoi on va étouffer cela? Au contraire, c'est une belle dynamique. Il faut la laisser, cette dynamique, se mettre en place, la renforcer. Maintenant, nous, on est des politiques, on doit jouer notre rôle politique. Mais on ne doit pas se substituer à la société. Et on ne peut pas être les tuteurs de la société, mais on peut être les porte-voix de la société à travers notre rôle politique qui est proposer des feuilles de route de sortie de crise. Donc voilà, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Bien. S'il n'y a plus de questions, on va clôturer. Merci, Madame Zubida Assoul, pour vos réponses et votre intervention. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier pour cette invitation. Vous m'avez fait avec honneur plaisir de vous rencontrer. D'abord, ça fait très longtemps, ça fait plusieurs années que je n'ai pas remis les pieds dans cette belle salle du Forum del Moujahed. Vous êtes la bienvenue, Inch'Allah, on va renouveler. Je suis ravie. Je remercie les journalistes qui étaient présents ici. Et je vous dis tout simplement, il faut faire confiance au peuple algérien. Je pense que l'avenir ne sera que meilleur. Merci beaucoup, Madame Saha.